une revue donc, de sciences sociales qui s'appelle Sensibilité et qui a comme sous-titre Histoire, critique et sciences sociales et qui veut être une revue pluridisciplinaire qui fait se croiser à la fois les ethnologues, les anthropologues, les économistes, les géographes, les historiens évidemment puisque nous sommes au sein du comité de rédaction 4 historiens, donc c'est notre formation d'origine. Mais nous avons senti que dans le monde des revues académiques et universitaires, il y avait finalement très peu de croisements entre les disciplines elles-mêmes. Et donc nous avons imaginé un espace éditorial, donc c'est une revue, qui permette de faire se croiser autour de la question des sensibilités l'ensemble des sciences sociales et humaines. Et au-delà de ça, dans notre démarche, il y a aussi une autre volonté qui est l'ouverture à d'autres acteurs du monde culturel et social contemporain. Et donc, nous ouvrons aussi la revue à des cinéastes, des photographes, des graphistes, des dessinateurs, etc. Et donc, la question qui nous préoccupe, c'est celle des sensibilités. C'est ce qui nous réunit ensemble dans ce projet. Et cette question des sensibilités, on l'a imaginée comme une démarche et non pas comme un objet de connaissance. C'est-à-dire que la revue va s'emparer de questions qui dépasse en fait le seul objet des émotions, des sens et des affects. C'est-à-dire on ne va pas juste travailler sur ce qui est déjà beaucoup, hein, les peurs, l'amour, les larmes, les goûts et les dégoûts, mais on pense que c'est une question qui traverse l'ensemble du monde social, qui traverse donc le politique, le social, l'économique, l'historique. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu créer cet espace, parce qu'il nous semble aussi que nous vivons dans un monde saturé d'émotions, saturé d'affects, et que les sciences sociales doivent s'en emparer, et qu'on a en fait les outils pour cela, même si c'est un champ encore à explorer largement. Alors en fait, à l'origine, il y a juste un désir de nous quatre de travailler ensemble autour de ces questions. Et alors en fait, de façon très simple, on s'est mis autour d'une table et on s'est demandé qui étaient les chercheurs qui avaient réfléchi à ces questions avant nous, et, auxquels nous aurions rêvé dans le comité scientifique. Donc on a fait une liste de nos rêves, et les chercheurs en question ont presque tous accepté de faire partie de ce projet. Alors évidemment, vous avez raison de parler de cette question un peu de génération. Nous, on se sent endettés, en fait, et on a le sentiment quand même que malgré tous les ouvrages qui existent, malgré la voie ouverte par ces chercheurs, mais il reste encore à faire, il reste à explorer dans ce champ, et c'est pour ça qu'on veut créer cet espace. Mais effectivement, nous, on se sent quand même redevables. Voilà. L'idée, elle est toute simple du numéro, c'est qu'on a vu le terme de charisme envahir littéralement l'espace public, le développement personnel, les manuels de développement personnel, les émissions de télé-réalité, etc. Donc voilà, on ne cesse de parler de leader charismatique, c'est plus seulement le chef politique, c'est aussi le sportif, le chanteur de rock bien sûr, mais c'est aussi n'importe qui, on doit développer son charisme. Et donc, nous, on voulait revenir à un usage plus serré, moins paresseux, plus strict du concept de charisme, qui a une histoire longue en sciences sociales, c'est un concept assez classique des sciences sociales, mais avec l'idée très importante pour nous de dire, au fond, le charisme, il ne faut pas essayer de le définir en soi, dans l'absolu. Le charisme, c'est toujours une relation, et dans cette relation entre un individu qu'on dit charismatique, auquel on prête les qualités d'audace, de décision, de bravoure, tout ce qu'on veut, et puis une communauté qui, en fait, investit dans cette personne ses rêves, ses attentes, ses espoirs, ses craintes. Le plus important dans cette relation charismatique, c'est pas le personnage, mais ce sont les autres. Le charisme, c'est les autres. Et c'est ce renversement du regard qu'on voulait avant tout opérer, et puis de travailler, c'est pour ça que la revue s'appelle Sensibilité, sur l'enchantement affectif qu'il y a derrière le charisme. Il y a une forme d'envoûtement, on est subjugué. Qu'est-ce qui se dit du point de vue des sensibilités dans la relation charismatique, dans une relation qui est une relation de domination? On accepte d'un coup de se mettre au service, d'être déférent à l'égard de quelqu'un de charismatique. Alors, à l'intérieur du numéro, le thème organise quasiment la totalité du numéro, il y a 5 articles dans la partie recherche, avec des sociologues, des historiens, 2 articles assez théoriques au début, Isabelle Kalinowski, qui est une germaniste, qui est la grande traductrice de Max Weber, le premier à avoir usé scientifiquement du concept et qui en fait invite à revisiter complètement la vision qu'on a du charisme chez Max Weber, qui plonge dans sa sociologie des religions, bref, qui montre une toute autre genèse du concept assez inconnu. Je pense que l'article restera en fait, voilà. Deuxième article de Manuel Chauté, qui est un sociologue spécialiste du sport et qui lui préfère le terme de grandeur plutôt que celui de charisme, qui est moins ambivalent, et tout l'article tourne autour de
qu'est-ce que c'est, comment fonctionne la grandeur, qu'est-ce que c'est que l'importance sociale qu'on accorde à tel ou tel individu et qu'est-ce que ça suppose en face. Troisième article, Yves Cohen, historien, qui a écrit un grand livre qui s'appelle Le siècle des chefs, commandement et obéissance au XXe siècle, en gros, et qui s'interroge bien sûr sur les héritages du premier XXe siècle en termes de ces grands leaders, enfin ce sont les sociétés du premier XXe siècle ont fonctionné au charisme, aux leaders charismatiques, le fascisme, le communisme, etc. Et qui montre que on ne se désintéresse pas aujourd'hui du charisme et que nous cherchons néanmoins en politique des relations plus horizontales, moins verticales, qu'il y a une méfiance plus grande à l'égard du leader charismatique et que c'est peut-être un signe de maturité démocratique. Ensuite, un article d'une sociologue américaine qui s'est intéressée au lien entre charisme et capitalisme et qui a interrogé les pratiques des vendeuses à domicile dans les années 80 et donc qu'on éduquait en quelque sorte à développer leur charisme pour être meilleures vendeuses. Et donc c'est un article assez amusant. Cinquième article de la partie recherche de Christophe Granger, qui est donc un des membres fondateurs de la revue, et qui s'intéresse, qui déplace le regard, qui s'intéresse aux conditions de l'admiration. Qu'est-ce que c'est qu'admirer et comment tout cela évolue dans le temps et travaille à partir de Proust. Voilà, et c'est un texte très exigeant, mais vraiment très important. Ensuite, il y a une deuxième partie qui s'appelle l'expérience, qu'on veut un lieu de discussion, avec, pas entre chercheurs pour le coup, ouverte sur d'autres praticiens, des photographes, des dessinateurs, des romanciers, des acteurs du monde environnemental ou social. Et donc là, il y a un travail autour d'une photographe, Charlotte Krebs, sur une cérémonie qui a lieu au Niger, dans le Sahel nigérien, qui a lieu tous les ans, qui est une sorte de guerre symbolique entre deux factions où on se bat à coups de chant et de danse. Il s'agit de voler les femmes du camp adverse. Mais étonnamment, c'est pas une guerre, c'est une guerre qui vise à renforcer les liens, puisqu'il s'agit de favoriser l'exogamie. Ensuite, un travail d'Aurélien Giard, de stop motion, c'est-à-dire de l'animation image par image, et l'idée c'était de montrer que le meilleur moyen de déconstruire le charisme c'est en quelque sorte par le récit imagé, voilà, qui est inefficace, très 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 important. Ensuite un article de Karine Lenzi sur les centres d'éducation fermés pour mineurs, donc une plongée, une immersion d'une équipe de chercheurs pendant un certain temps dans ces centres éducatifs fermés et qui parle de l'émotion du chercheur dans son observation participante au quotidien, qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et l'émotion du chercheur, c'est pas seulement un obstacle à l'objectivité, c'est aussi une ressource de connaissance, une ressource cognitive. Je crois qu'elle a, je me souviens plus exactement de l'expression, mais un moteur cognitif, quelque chose comme ça. Et puis, dernière, après, on a une... Oui, il reste encore deux rubriques, je vais faire court. Une rubrique qu'on appelle « Dispute », où en fait on revisite des textes classiques ou des textes oubliés des sciences humaines et sociales et on veut revivifier le débat en quelque sorte, avoir des controverses réelles parce que finalement en sciences humaines les controverses ont un peu disparu et donc c'est une partie de ping-pong cette fois donc moi et Christophe Granger et moi-même autour d'un texte d'un grand anthropologue Clifford Geertz qui a laissé un texte mythique sur le charisme et donc voilà c'est une espèce de lutte autour de ce texte un peu clivant. Et puis la dernière partie, pour le coup, elle est hors thème. C'est une rubrique consacrée où on cherche à faire entrer les lecteurs dans l'atelier d'écriture d'un historien ou d'un chercheur en sciences sociales, faire entrer dans son intimité d'écriture. Et Arlette Farge, très gentiment, s'est prêtée au jeu. C'est un beau texte, voilà. En plus, Arlette Farge écrit magnifiquement. Et donc, elle nous a laissé des manuscrits raturés, la première page du Goût de l'archive. Bah, ça nous a beaucoup émus. Et en même temps, elle dit plein de choses comment les pièces dans lesquelles elle écrit à la main, sans ordinateur, dans un certain silence. En quoi cet environnement stimule l'imagination, facilite l'écriture, bouscule aussi les manières dont on écrit et ce qu'on dit finalement. Voilà, donc c'est une rubrique qu'on retrouvera à chaque fois, on invitera toujours un chercheur pour essayer de passer de l'autre côté du miroir, en quelque sorte.